Salut. Je reviens aujourd'hui vous parler avec mes nouveaux cheveux, cheveux sales ma foi, mes nouveaux cheveux quand même, de trois bouquins qui m'ont permis de survivre pendant mon adolescence. Aujourd'hui j'ai 21 ans, je suis donc sortie, je crois, de toute cette grande passe qu'est l'adolescence. Pendant toute cette période, donc de mes 13 ans à mes, je comptais jusqu'à mes 19-20 ans, j'ai relu trois bouquins, pas en boucle mais plusieurs fois parce que c'est vraiment des bouquins qui m'ont aidée à survivre. Je vous les présente ainsi dans l'ordre dans lequel je les ai lus. C'était pas très français mais vous avez compris. Je commence tout de suite. Le premier bouquin c'est L'Attrape-cœur de J.D. Salinger. Je ne sais même pas son prénom à vrai dire. L'Attrape-cœur c'est l'histoire d'Holden Caulfield qui est un lycéen américain qui est en pension, qui est dans l'état de New York, qui est à côté de la ville de New York. Et cet adolescent s'est déjà fait renvoyer plusieurs fois de ses anciens pensionnats. Pensionnat qui à chaque fois est constitué uniquement de garçons. Et pensionnat dans lequel il ne se sent pas forcément bien, mais pas vraiment forcément mal. Malheureusement, il se fait renvoyer 3 jours avant Noël. Il décide de rentrer uniquement le jour de Noël parce qu'il n'a pas envie de foutre en l'air tous les préparatifs de Noël et toute la fête et d'annoncer à ses parents qu'il s'est encore fait renvoyer une fois de plus. Du coup, il va errer plus ou moins dans la ville de New York et on va en apprendre sur sa vie et comment il réagit pendant ces 3 jours. L'Attrape-cœur, c'est un livre qui a été très très détesté. Les Américains ont souvent à le lire pour le lycée, moi c'était le cas. J'ai eu à le lire quand j'avais 13 ans et je l'aime toujours autant. Souvent les gens le trouvent très ennuyeux, trouvent que c'est un livre où il ne se passe absolument rien. Moi j'adore les livres qui parlent de la vie des gens, genre la vie un peu quotidienne des gens. Ce qui a aussi été assez critiqué, c'est l'écriture en elle-même du livre, c'est une écriture hyper orale. C'est vraiment la transcription d'un parler, il y a plein de petits mots comme les genres, avec des tics de langage et un langage parfois même grossier. Du coup c'est un peu déstabilisant parce qu'il me semble que c'était un des premiers bouquins à le faire. Par rapport à pourquoi j'ai aimé le bouquin et pourquoi il m'a aidé dans ma vie, c'est un bouquin qui m'a énormément rassurée par rapport à mes questions existentielles, par rapport aux angoisses que j'avais sur la vie. Tout simplement, le personnage a les mêmes angoisses que moi. Lire ses angoisses dans un livre, que ce soit en plus un personnage qui ait vraiment rien à voir avec moi, parce qu'en fait je me suis dit que toute question que j'avais sur ma vie, c'est des questions par lesquelles tout le monde est passé. Si un garçon des années 50 de l'état de New York se posait les mêmes questions que moi en 2013 quand j'avais 13-14 ans, c'est que dans ce cas-là, je suis pas la seule. Ça me rassure d'avoir un personnage à laquelle je me suis autant identifiée. Je me suis aussi beaucoup identifiée au personnage parce que c'est quand même un enfant qui joue aux adultes. Tout le long du livre, il aime l'idée de se dire qu'il peut vivre de façon totalement indépendante, qu'il est assez fort et il a les épaules pour arriver à se forger une carapace contre le monde extérieur. Et en fait, c'est pas le cas. Et puis c'est vraiment, il a des comportements qui peuvent être parfois dangereux, mais c'est le but de l'adolescence, c'est de tester ses limites, c'est de tester le danger. Et du coup, en tant qu'adolescente à ce moment-là, ça m'a aidée à savoir que ouais, j'étais pas toute seule à vivre ça, et qu'on était tous en train d'essayer de jouer aux adultes. Autre chose, c'est aussi que Holden Caulfield est bourré d'obsessions. Il y a plein de mini-tics qu'on a, et de mini-questions bêtes qu'on se pose, mais qu'on se pose presque tous les jours, et toutes ces petites obsessions comme des sortes de mini superstitions personnelles. Holden Caulfield est exactement comme ça, il a des obsessions par rapport à tout, il parle tout le temps des mêmes choses, et ça aussi ça faisait du bien de me dire que j'étais pas toute seule et que j'étais pas toute cassée face à mon être. Je sais pas, c'était vraiment l'identification pure de l'adolescente que j'étais. Ce que j'ai trouvé aussi frappant, c'était le fait qu'il est un peu doté d'une sorte de stoïcisme extrême. Tout lui passe dessus, plein d'événements un peu difficiles ou traumatisants lui arrivent et il est là en mode bof, ok. Alors que des toutes petites choses, pour lui ça va être une affaire d'état. Et c'est vraiment la difficulté d'être adolescent, c'est d'arriver à mesurer les choses dans sa vie. Et ça fait réfléchir. Vraiment Holden Caulfield dans mon cœur, même s'il n'y aura jamais de film sur ce bouquin, parce qu'ils ne vendront jamais les droits. Et ça, c'est un vrai traumatisme. Ça, c'est un traumatisme. L'Attrape-cœur a attrapé mon cœur. J'ai honte, j'ai très honte de cette blague. Deuxième bouquin que j'ai lu et qui m'a vraiment aidée dans ma vie, c'est Songe à la douceur de Clémence Beauvais. Clémentine Beauvais, pardon.
Songe à la douceur, Rapidos, c'est une sorte de réécriture très très libre d'Eugène Onéguine. Eugène Onéguine, c'est un roman et un opéra russe. Il y a un insecte mort juste ici. Avant toute chose, c'est assez surprenant à lire parce que c'est une sorte de prose poétique. Comment on appelle ça? Putain, le baquet, les calligrammes, c'est parfois un peu calligramme, un peu poésie prose. Par exemple, il y a des parties comme ça, et il y a des retours à la ligne un peu spé. Ça forge un rythme dans l'histoire. Après, ça plaît ou ça plaît pas. Je sais qu'aujourd'hui, ça me plaît moins qu'à l'époque. Du coup, c'est un bouquin que j'ai lu quand j'avais 16 ou 17 ans, je ne sais plus. Il est sorti en 2016, l'année de ma terminale. L'histoire, c'est Eugène, qui doit avoir une trentaine d'années, dans le métro à Paris, rencontre, par hasard, Tatiana. Tatiana qui considère comme son amour de jeunesse, pour qui d'un coup, il a une sorte de remontée de sentiments. Et ça se passe un peu dans sa tête. C'est plus ou moins parfois ici un dialogue entre l'auteur et Eugène. Eugène rencontre Tatiana, il repense à comment s'est finie leur histoire. Il la croise à Paris et il voit que Tatiana est une jeune femme qui a grandi, c'est une femme accomplie, indépendante. Et en parallèle, donc en un chapitre sur deux ou quelque chose comme ça, ça repasse à leur histoire. 10 ans auparavant, en 2006, et là on voit Eugène qui pendant les vacances d'été s'ennuie à mourir, va voir Lenski, son meilleur ami et seul ami, avec qui il va passer ses vacances. Lenski sort avec sa voisine qui s'appelle Olga, et Olga a une petite soeur qui s'appelle donc Tatiana, qui en fait n'est pas du tout en accord avec l'histoire qu'on nous donne du point de vue d'Eugène 10 ans plus tard. Et on voit en parallèle deux histoires d'amour, donc l'histoire d'amour que Eugène souhaite vivre en 2016, et leur histoire d'amour en 2006. Il y a une sorte de tabou, comme une sorte de drame, et on comprend pas ce qui s'est passé, on veut savoir ce qui s'est passé. C'est vraiment un peu une ode à l'amour. Et autant vous dire que moi, en 2016, clairement l'amour c'était zéro. C'est aussi, mais comme dans les trois bouquins dont je vous parle, c'est aussi une idée de grandir et une idée d'apaiser mes angoisses envers l'avenir. Il y a cette idée, quand on est ado, de se dire qu'une fois que tu entres dans ta vie d'adulte, une fois que tu finis tes études, une fois que tu trouves un travail, que tu trouves un appartement, que tu commences à vivre tout seul, il y a cette idée que ta vie elle se finit, tout sera fini, tout sera serein, tout sera calme. Moi j'étais une fille qui vivait dans la passion et la fureur de vivre. De voir que cette histoire peut être aussi fort 10 ans plus tard, c'était beau dans ma tête. De me dire que même plus tard, même quand tu grandis, même à travers le personnage d'Eugène qui est vraiment le mec, genre sa vie elle est un peu naze, il continue à avoir des émotions super fortes, à des trucs qui lui broyaient les entrailles, tu vivras encore des choses comme ça. Et c'est pas parce que tu grandis, et c'est pas parce que tu seras plus adolescent, pas parce que tu n'auras plus ces passions adolescentes, ces passions de jeunesse, que ta vie elle va s'arrêter et que tes passions elles vont s'arrêter. Ça m'a apaisée. Bien évidemment, ça m'a aussi appris à survivre au chagrin d'amour. Parce que c'est les aléas des histoires d'amour. C'est le coup de foudre, et puis c'est aussi les drames, et puis c'est aussi les déchirements. Moi je suis très gnangnan en copie, je suis très fleur bleue. Il y a quand même des choses dans le bouquin qui sont dures. C'est des mots qui m'ont touchée quand j'avais 16 ans. Mais c'est vraiment une histoire qui a fait du bien à mon petit cœur, qui l'a pris mon petit cœur comme ça, qui l'a serré dans ses bras. La façon dont on reçoit la lecture, pour moi c'est hyper intime, c'est hyper personnel, et puis ça peut toucher parce que c'est deux histoires de deux époques différentes, d'un ado et d'une ado, et une histoire d'un adulte et d'une adulte, et de voir leurs amours à des temps totalement différents, bah ça résonne je pense à plusieurs âges. Et puis c'est pas seulement un truc à l'eau de rose, il y a quand même des gros râteaux et il y a quand même des grosses claques qui se perdent. Et puis voilà. Et pour terminer, le troisième bouquin qui a sauvé mon adolescence, c'est le seul bouquin que j'ai pas ici, c'est Le Club des Incorrigibles Optimistes de Jean-Michel Guénassia, qui est sorti en, je ne sais plus quelle année, qui est sorti en 2009, qui a d'ailleurs gagné un prix, il me semble que c'est le prix Goncourt des lycéens. Et je comprends, parce que c'est vraiment le bouquin que t'as envie de lire quand t'es lycéen. Voilà. J'ai lu le bouquin un peu plus vieille et je l'ai relu il y a pas longtemps et ça m'a autant plu. Pour le coup, Le Club des Incorrigibles Optimistes, c'est un livre qui est un peu plus long que les autres, parce qu'il peut faire 700 ou 800 pages, alors que les deux autres, ça va, c'est un peu basique comme bouquin. Le Club des Incorrigibles Optimistes, c'est l'histoire de Michel, qui a 12
12 ans, 13 ans, je ne sais plus. On va suivre toute son adolescence dans les années 60. Ça pose tout un contexte historique, pop culture. Il y a énormément d'anecdotes d'époque, il y a énormément d'éléments d'époque, de références musicales, de références littéraires. Donc Michel est adolescent, il vit à Paris avec sa famille, il a un grand frère, une petite sœur, il a un meilleur ami avec qui il va jouer au baby-foot après les cours dans un café de Paris, et il voit dans ce café un rideau au fond de la salle. Il y a toujours plein d'hommes qui rentrent dans ce rideau, mais il sait pas ce qu'il y a derrière ce rideau. C'est jamais de femmes, c'est uniquement des hommes qui ont quand même un peu de vécu. En fait, ils rentrent et derrière ce rideau se trouve un club d'échecs. Lui, il connaît pas les échecs, il a envie d'apprendre. Derrière ce rideau, il va rencontrer des hommes qui ont tous un vécu particulier, qui sont pour la plupart d'origine d'Europe de l'Est. Et comme ça se passe dans les années 60, c'est des hommes qui ont échappé à la Seconde Guerre mondiale ou à la guerre froide. On va vivre à la fois l'histoire de Michel qui lui grandit, et on va aussi vivre la vie des hommes qui sont d'origine d'Europe de l'Est, et on va apprendre tous leurs anecdotes, quoi ils en sont là aujourd'hui. C'est très bien écrit. Pour le coup, c'est un livre que j'aime vraiment profondément. J'ai aimé lire ce genre de choses. J'ai aimé lire des propos, lire des choix incompréhensibles, lire des mauvais choix d'une personne, parce que ça faisait pas forcément des personnages, des mauvaises personnes. Ça permettait de garder un lien avec une vie adolescente, mais d'échapper à ma vie aussi. Et c'est ça aussi la lecture, c'est d'arriver à échapper à sa vie, forcément. Et tout ça aussi, ça m'a permis aussi de relativiser quand même beaucoup sur ma vie, parce que du coup, face à des régimes totalitaires, face aussi à un contexte de la guerre d'Algérie en France dans les années 60, bon, en soi, ça fait quand même relativiser, ça m'a aidé de me dire qu'en fait, ma vie, elle était pas si mal que ça. Et puis surtout, il y a une énorme identification au personnage principal de Michel, parce que Michel est un garçon qui aime profondément la lecture, et quand tu lis ce bouquin, tu aimes la lecture. On parle de Sartre, on te parle de Camus, je sais pas, c'est fort de sentir une sorte de passion de la lecture et de la philosophie. C'était beau de voir cette passion pour la lecture, de l'image de Michel qui marche dans la rue en lisant son bouquin et qui arrive à ne rentrer dans aucune personne tout en lisant son bouquin alors qu'il est en retard pour aller en cours, qui était à cette époque de ma vie quotidienne, aller en cours en lisant, en échappant les gens, en échappant les crottes de chiens sur le trottoir, c'était ma vie quotidienne. Et c'était vraiment à une époque de ma vie où j'étais pas très très heureuse, où je me levais le matin, je lisais, je passais ma journée en cours à écouter ma musique, et j'étais contente de finir ma journée parce que je savais que j'allais lire ce bouquin en rentrant des cours. Je pense que des trois, c'est vraiment le bouquin que je recommande le plus, et en plus c'est le bouquin qui, je pense, peut plaire au plus de gens. Voilà, j'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue. Aujourd'hui, j'ai perdu l'habitude de lire. C'est un peu triste. En tout cas, c'est trois bouquins qui m'ont vraiment aidée quand j'étais plus jeune. Je pense que si je les lis aujourd'hui, ils m'aideront encore, mais de façon moindre. Je recommande vraiment le troisième. C'est vraiment le meilleur. Et voilà. Et puis voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce vers le haut, à laisser un commentaire pour me dire que je suis extrêmement belle avec ces deux mèches jaunes pipi. Et sinon, à t'abonner. Enfin bref, comme d'habitude, ce que tous les gens disent, c'est faire une vidéo, voilà. Et puis voilà, à la prochaine, et voilà.